Eh bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. 17ème épisode de notre aventure sur Far Cry 3. Et aujourd'hui, on démarre sur les chapeaux de roue. J'aimerais qu'on chasse juste deux requins avant de commencer dans le vif du sujet. Alors pour rappeler, on a capturé cette base. C'était laborieux, hein. Je viens de m'en souvenir, c'était laborieux. Et on va aller faire une mission, ici, pas du tout ici. Voilà, mais d'abord, vous voyez, on est dans une zone de requins. Et forcément, bah, dans l'eau, il y a des requins. Et j'aimerais les chasser parce que deux requins nous permettront d'avoir une quatrième arme. Et on va en avoir besoin parce que j'en ai vraiment marre à chaque fois d'être à court. Être à court de munitions. Vous voyez ce que je veux dire? Être à court de munitions et après je dois sacrifier une arme et après je suis dans la sauce. Oh, donc voilà, j'aimerais chasser du requin. Ce serait plutôt pas mal. Comment faire, je sais pas encore. Est-ce qu'on va trouver du requin comme ça au bord de l'eau? Je ne sais pas. On va tout faire pour en tout cas. On va tout faire pour. Approchez-vous prudemment du cénote. Donc ça c'est l'objectif que nous allons faire. Bon, j'espère que vous êtes tout taquet là. Oh putain, j'ai eu si peur. Marche. J'espère que vous allez bien, n'oubliez pas le petit like. Mais j'aimerais juste sortir l'appareil photo, parce qu'avec l'appareil photo on voit tout. Voilà. On voit rien là, hein. Pas de requin en vue, hein. Ah ouais, non mais là il faut aller en... En fait il nous faut un bateau. Alors on démarre cet épisode de manière totalement chill. Et ça nous permettrait d'aller voir aussi ça là-bas, là. La tour de Rook Point. Et en plus, on pourrait faire cet avant-poste. Vous allez me détester parce qu'on fait que ça. Mais en vrai, ce serait l'occasion pour à la fois chasser du requin, à la fois continuer l'exploration. Si, en vrai, ça peut être pas mal. Il nous faudrait un bateau. Je sais pas où est-ce qu'on peut trouver un bateau. Mais ce serait pas mal d'avoir un bateau. Ouais. Y'a pas de bateau aussi, quoi. Y'a pas de bateau. Dans le cul, la balayette. Putain, on a vraiment pas de chance ou quoi? On a vraiment pas de chance. Pourquoi y'a pas de bateau? Comment on pourrait faire? Les gars, je commence cet épisode, je suis en détresse totale. Et tout ça, c'est une zone encore inexplorée. Faudra qu'on y aille, hein. Faudra qu'on y aille. Mais non mais oui mais bon Bah oui bah bon. Y'a pas de bateau. Pas de jet ski, rien. Bon bah écoutez, c'est pas grave, on va aller vers la mission. Et peut-être je vais longer la mer. Sait-on jamais s'il y a un bateau ou un jet ski, tu vois, mais je vais pas faire de mal aux animaux, hein, je suis gentil. Bon, écoutez, on va longer comme ça. Bon, je doute qu'on trouve un bateau, je vais pas vous mentir, je suis un petit peu triste. Voilà. Ah, dommage. Dommage, bon, hé, on se promène, les gars. C'est chill, on n'a jamais été là. C'est relativement sympa. Par contre, si je trouve un bateau, je fonce dessus, hein. Ça, les gars... Je vous le dis. Ouais, parce que là on va être dans la sauce en fait. Ça m'énerve d'avoir que 3 armes. C'est pas facile. Ok, j'ai cru que c'était un... Eh frère, j'ai cru que c'était un jaguar. J'ai carrément cru que c'était un jaguar. Bon. Eh bien ma foi. On trouvera pas bonheur, hein. Attendez. Attendez. Excusez-moi pour ce petit moment. T'as besoin d'aide, monsieur? Non, ça va. Bon, on trouvera que dalle. Allez, laissez tomber, on va aller à la cénote. Je sais pas ce que c'est en fait. À vrai dire, je me rappelle plus la conversation qu'on avait eue pour cet objectif, mais on va y aller. Pas de bateau. Hein. Purée, y a pas de bateau. Oh, c'est stylé. Eh. C'est marée basse. Bon, bref, allez, direction. L'objectif, je vais enlever le point là parce que ça va nous perturber. Et puis direction prudemment. Là c'est notre. Oh, ils vont pas faire chier eux, hein. Oh, c'est chiant. Oh là là. Puis je suis très vulgaire aussi, je suis désolé. Très embêtant ces animaux. Hop. Ça aurait été pas mal d'y aller en voiture. Je le conçois parfaitement. J'avais pas prévu non plus. De longer, enfin voilà, tu m'as compris, là on vient de faire un petit détour. Là on a la tour radio. Il y a une bagnole là-bas.
peut la récupérer. Glissade. Allez, on va récupérer la voiture là-bas. Et on va aller à l'objectif. Désolé pour ce petit contretemps. Je vous l'offre. Je vous l'offre. Et il faut qu'on se refasse des seringues. Il faut qu'on se refasse. On a plus de seringues de soins. Ça, c'est une très bonne idée que je viens d'avoir. Je suis un petit peu intelligent. Ça m'arrive. Ça m'arrive des fois d'être lucide. Faut que je me remette dans le bain. Du coup, confection. Juste là. Médical. Voilà, ce sera pas mal. 4 seringues de soins qui me restaurent toute la santé d'un coup. Salut les copains. Elle est là la voiture. Je suis complètement débile. Complètement débile le mec. Bon allez, il y en a marre là de perdre trop de temps. Oh, j'ai vu ça sur Amazon, j'aimerais trop en acheter. Là la tahitienne là. Enfin il y a pas de tahitienne sur Amazon, mais je veux dire sur le tableau de bord. Tu m'as compris. C'est par là-bas. Oh. Casse les couilles. Casse les couilles toujours là. Bah essaye. Essaye de m'achever. Ah. Non mais j'ai pas le temps pour vos conneries. Comment ça j'ai aucune chance? Comment ça j'ai aucune chance? Tu vas me parler meilleur. Bon c'est pas... C'est terrible. C'est terrible ce qui nous arrive. C'est le... Tu vois là je pourrais récupérer son arme. Et avoir une quatrième arme et tout. Ça aurait été génial. Et je peux pas... Tout ça parce qu'on a pas de bateau. Ça m'énerve. Vivement qu'on puisse chasser du requin, d'accord? Allez, on arrive sur l'objectif. Eh, ça se passe où là? Ça se passe ici, ok. Oh là. Qu'est-ce que c'est que cet endroit encore? Personne ne doit me voir tant que j'ai pas changé de vêtements. Ah oui, on va récupérer un uniforme de recrue de la milice. Donc je vais m'infiltrer. Quelqu'un maintenant, ça va les alerter. J'aurais demandé une augmentation. J'ose pas. Je dois tuer personne du coup. Je dois tuer personne. Et c'est terrible. Et il faut que je descende. Ok. Ah oui non mais là on va avoir un problème. Bon on va là-bas. Voilà. Allez. Dégage, je vais plus te voir. Pas sauter là-dedans, c'est trop risqué. Ok. Eh, hey, on récupère de l'argent un petit peu. Oh là 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 là. Si je tue quelqu'un maintenant, ça va les alerter. Ah, j'ai bien compris. Je dois tuer personne, c'est horrible. J'ai quand même bien envie de le tuer. J'ai une idée. C'est culotté hein. Identifiez-vous. Je peux pas le tuer. Oh, je peux vraiment pas le tuer. Bon, on va là-bas. On tente hein. On va tenter le culot. On va tenter le culot, je serre les fesses. Au pire, la mission échoue. Hein. Allez! Va là-bas! Oh là 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 là. Oh! Oh, il veut pas jouer le jeu. Hein. Il veut pas jouer le jeu. Hein. Ça y est. Oh! Bon allez, échec de la mission. Non là je vois pas comment faire. Vas-y. Je peux rien faire de toute façon. Je peux rien faire. Je vois pas comment faire là les gars. Je vois pas comment faire. Alors là j'avoue. Bon on reprend ici, c'est pas mal. Je peux pas sauter dans l'eau là.
Je ne peux pas donner de coup de couteau, je peux pas sortir d'arme, donc je n'ai pas d'autre choix. Moi, je vais le laisser partir tout simplement, je suis bête. Bah ouais. Là je peux pas sauter. Quel enfer. Ok. Cachez-vous dans les feuillages. Y a pas de feuillage, hein. Si jamais. Oh, excusez-moi madame. J'aime bien les coquillages. Voilà. Tu me diras où c'est que tu vois des feuillages, hein, si jamais, parce que bon. Les tutos, ça commence à bien faire quand ils se foutent de notre gueule. Je suis un peu énervé parce que je n'ai pas la liberté de pouvoir éliminer quelqu'un et je trouve ça débile. Parce qu'en soi, je peux le faire discrètement, quoi. Je peux cacher les corps si je veux. Ça m'énerve. Ça me stresse surtout. Attendez, je vais éviter le coup du caillou parce que, bah, du coup. Parce que du coup, je vais me faire cramer, quoi. Comment je pourrais faire? Attends, il va venir lui là. Il va venir. Bon, allez, va là-bas. Tu m'as saoulé. Oh la vache, à la gigine. Voilà, va là-haut. Voilà. Allez. J'espère que c'est un checkpoint là parce que. Ça fait bien stresser quand même, hein. Hop, merci. Ok. Oh. Non mais frère. Putain, je vaux mieux que cette merde. Ah bien sûr. Hein. J'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. Je peux pas récupérer le coffre là. Ok. Voilà, j'espère que vous serrez les fesses autant que moi je serre les fesses. Hein. Je vous le dis, je vais chier de travers tout à l'heure. Hein. Je suis vraiment. Je suis pas aussi divertissant que d'habitude. Je suis vraiment navré. Oh. J'ai de la gouge sèche. La gorge sèche, pardon, je sais plus parler. La bouche pâteuse comme il faut. Encore 3 semaines et je rentre. Ah, bonne nouvelle pour toi. Je trouve un accès plus sûr. Trouver un autre chemin pour vous rendre sur les quais, mais toujours plus quoi. Toujours plus. En plus, il y a un mastodonte. J'en descendrai une bière fraîche. Une bière ? Je fais que passer, hein. Je peux aller dans l'eau. Je vais aller dans l'eau. Sous l'eau. On va aller sous l'eau. En plus, je peux nager sous l'eau très longtemps maintenant. Grâce à mes compétences. Ok, bon, on avance. Hein. On avance, on s'élance. Magnifique. Heureusement qu'ils ont pensé à mettre des échelles un peu partout. Oula. Éliminer discrètement. Y'a pas de soucis. Et bien voilà. Les manches couvrent les tatouages. Je suis officiellement une recrue. Sam, je suis prêt. Apparemment le type s'appelait Foster. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Comme Foster. Souviens-toi. Sois crédule. Il faut que tu croies à tes mensonges pour que ça marche. Ah oui. Uniforme de mercenaire. Vous portez un uniforme. Les mercenaires n'attaqueront pas tant que vous ne les provoquez pas. Ok. Bah j'ai déjà des armes, non? Ah non, j'ai pas d'armes sur moi, putain. Oh non. J'aurais pas dû faire ça, du coup. Ah putain. Bon, dans tous les cas, je peux pas sortir d'armes. Je me suis fait calotte, hein. Je... Bon, au moins j'ai la même arme qu'eux. Si jamais je dois la sortir, c'est pas trop mal. Bon allez, Hoyt vient faire l'inspection des nouvelles troupes. Je veux voir tout le monde en rang pour la revue. Préparez-vous.
C'est bon. Je passe bien. Suivant. Allez, on avance. Ok. Allez, allez, on avance. C'est ok. Pourvu qu'il ne pleuve pas. C'est bon. Suivant. C'est bon, fausseur. Psst. T'as envie de te faire du blé? Pourquoi tu crois que je suis là? Un lieutenant du coin qui s'appelle Vaz vient de se faire descendre. Et il y a un territoire à piller. Ces gars se font des couilles en or. Alors pourquoi pas nous? Et Hoyt là-dedans? Hoyt a d'autres soucis. Pour l'instant, il n'y a qu'à se servir. Mais ça durera pas. Alors autant se bouger le cul, non? Je veux, oui. Ok. Va écouter les speeches. Hey. Si tu parles à qui que ce soit de notre conversation, t'es mort, c'est clair? Aïe aïe aïe, on se fout dans de sales histoires, hein. On se fout dans de sales histoires. Pourquoi j'ai fait ça? Ah, mes très chères et innocentes nouvelles recrues! Je ne vais pas vous mentir, nous sommes tous ici pour l'argent. Mais c'est pour le bonheur de mes hommes que je me lève chaque matin. Mon père, ouais, il fait beau, paye à son âme, était chercheur de diamants. Il se levait à l'aube tous les matins, il fumait sa cigarette, et ensuite il descendait sous terre. Pour cet homme admirable, l'entreprise était tout ce qui compte. Je vous le même respect à notre modeste entreprise. Et je n'attends rien de moins de votre part. Alors, il n'y a que trois règles que vous devez suivre impérativement. Primo, protégez ma marchandise. Vous pouvez en profiter, mais en douceur. Deuxio, tirez à vue sur les autochtones. Et enfin, tous les profits me reviennent. Je suis un chef compréhensif. Mais si vous manquez à une seule de ces règles... Je vous fais rôtir comme du vulgaire poulet jusqu'à ce que votre peau soit croustillante. Bon, assez parlé. Ces sauvages veulent détruire l'œuvre de ma vie, ma plus grande fierté. Montrez-leur qu'on ne plaisante pas. Ah, j'allais oublier. On a une prime spéciale ce mois-ci. Une île rien qu'à vous. Pour la tête de Jason Brody. Bah frère, j'espère qu'ils connaissent pas ma tête, hein. J'espère qu'ils connaissent pas ma tête. Allez, utilisez le bateau pour quitter le cénote. Je me casse. On va éviter de les déranger. Je récupère quand même. Hop. Voilà. Ici, je suis un peu comme chez moi. Bah, let's go. Mais c'est un peu débile d'aller dans l'eau là comme ça, non? Bon, bah, j'y vais, hein. Allez, je me casse. Salut. Je vais me faire embrouiller là, non? Par où je monte là? Ah. Ça me paraissait logique. Allez, salut! Je vais buter Jason, lol. Attends, je vais éviter de paraître trop suspect, voilà. La 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 la. Ça m'angoisse, hein, par contre, cette histoire, hein. Je vais être très honnête avec vous, j'aime pas jouer des doubles jeux. Je sais pas faire. Voilà quoi. Voilà, voilà quoi. Allez, on sort. Sam, viens de descendre du bateau. Maintenant, les miliciens ne te remarqueront plus. Mais évite de te faire voir en faisant un truc suspect. Tuer, étrangler, saboter, ils apprécient pas trop. Bluff-les, Jason. J'ai une piste avec un des miliciens. Un groupe de traite veut tenter de voler Hoyt. Je me dis que si je les tue, Hoyt me fera confiance. Ah oui, l'approche indirecte, bonne idée. On aurait pu tuer Jason Brody aussi. Mais ça aurait été gênant, n'est-ce pas? J'ai un peu surveillé les traîtres de l'intérieur. Ils ont trois capitaines.
et il est possible que l'un des trois possède une liste de tous leurs membres. Tu l'es. Récupère la liste. Et je ferai en sorte que Hoyt sache quel bon soldat tu es. Ils sont basés où? Dans un ancien temple. Je t'envoie les coordonnées. Ok, très bon à savoir. Par contre, vous le voyez, lui? Ça tombe trop bien. Voilà, lui, il est mort. Lui, il est mort. Les gars, on a la chance avec nous. Il est mort à peu près vers là. La chance est avec nous, messieurs, dames. Maintenant, il faut que j'arrive à le retrouver sans crever. Là-bas. Non, c'est une tortue. Je sais pas où il est. Je sais pas où il est. Et je vais me faire bouffer le cul. Ah, j'ai pas de chance. J'ai buté le requin, je sais pas où il est. Il fait trop nuit, c'est dommage. Là-bas, il y a un autre requin. Alors, ce qu'on va faire, on va s'en rapprocher. Lui, je vais pas le louper, mon pote. Lui, je vais pas le louper, mon pote. Viens voir, frérot. Yes! Première peau de requin, les gars. On rigole pas, hein. Alors là, il me propose de confectionner un holster de qualité. Oh bah voilà! Ça m'a donné deux peaux de... Bah let's go! Let's go! Et on a accès dorénavant à un quatrième emplacement. Salut toi! Eh, on va en profiter, hein. Si déjà on est là. Voilà! Ah oui, ça donne deux peaux de requin direct, c'est génial! Ça peut servir soit pour la vente ou soit pour d'autres confections que je sais pas encore. Donc ça c'est vraiment nice parce que quand on sera dans la mouise avec les armes et les munitions, eh bien on sera vraiment très très bien. On a un pylône ici, je propose qu'on le fasse. On a débloqué du coup un TP rapide. Le camp écho, malgré que ce soit pas des gentils quoi. Bref, on va se faire ce pylône et puis après on ira faire... Oh là là, les missions là-bas. Oh, on a débloqué plein de camps en fait du coup. Ça c'est tous les camps des mercenaires. Oh la vache à la gigine. Ok, on va y aller de ce pas. Enfin, on va y aller de ce pas. On va se faire l'avant-poste. La tour de contrôle, je vais y arriver. Et après, il faudra aller à l'ancien temple. Le pylône est vachement loin, là, quand même. C'est chiant. Y a un bateau, là. Ça, c'est pas des méchants. Hop. Allez. Ah, je suis content, les amis. Je suis vraiment content. Enfin de pouvoir avoir une quatrième arme parce que clairement mais... Oh, l'angoisse quoi. L'angoisse. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ici? Il me semble que non hein. C'est juste pour vérifier. Ouais. Ça tire à balles réelles là hein. Ça tire à balles réelles. Bah d'ailleurs attendez, du coup j'ai l'uniforme. Mais attendez les gars, j'ai l'uniforme donc normalement... Normalement, on va faire l'expérience. Il devrait pas me... Sauf si je les... si je les vise ou quoi, si je les attaque. Normalement, il devrait pas me faire grand chose. Attendez, on a de la chance, hein. On va voir, hein. Ça se trouve, je dis des bêtises. Mais normalement, les mercenaires, là, je suis safe. Et si c'est le cas, c'est incroyable. Mais alors, je me demande, parce que bon, après, le réalisme n'est pas poussé à 100%. C'est un jeu de 2012, heureusement. Mais je me demande si maintenant, je les attaque une fois, est-ce que après ils vont... Toujours se méfier ou pas quoi. Regardez. Vous les voyez là-haut? Attendez, il y a une voiture qui arrive. Non, il n'y a pas de voiture. Le jour se lève. On va faire un test. Je vais me rapprocher d'eux. Dans tous les cas, je dois monter. Expérience sociale. Hein. Ils sont deux. Comme ça, je les enjoue. Voyons voir. Je me promène. Hein. T'as vu? Voilà, c'est bon. Magnifique, on est safe. Donc je vais les laisser tranquilles, hein. Déjà on va en profiter. Oh! Quel estand de merde là qui s... Mais que... What? Il s'est passé quoi là? Un nuage qui est passé devant le soleil? Très bizarre ce qui vient de se passer là. Bon, je suis content, on est safe. Ça fait plaisir. En vrai je pense que... Enfin la partie va être... Dorénavant, la partie va être à la fois plus simple
et à la fois peut-être plus complexe aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je pense que quand on est dans la merde, on sera bien dans la merde. Mais tant qu'on est tranquille, on est tranquille. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que voilà, ça nous permet d'avoir un petit temps de répit et c'est pas désagréable. Franchement, c'est pas désagréable. Allez, on va se la faire ce tour. Je propose aussi, parce qu'on avance très bien et j'ai pas non plus envie que la série dure des 100 et des 1000. Hein. Mais ce serait dommage de terminer le jeu et de regretter de ne pas avoir fait tous les avant-postes. Et une fois que j'ai terminé le scénario, j'ai pas envie de revenir sur Far Cry 3 pour refaire des vidéos. Donc moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse un temps, une petite pause, un petit moment, et qu'on aille par exemple, vous voyez, faire cet avant-poste là. Parce que j'aimerais voir la tour de Rook Point, tu vois, c'est un endroit que j'aimerais bien aller voir. Essayer peut-être des petits défis en bleu. Bon, en vrai, ça m'intéresse pas trop, mais voilà, faire les petits avant-postes ici, j'aimerais bien, tu vois, sur la première île. Donc on verra pour faire ça peut-être un petit moment. A voir d'ailleurs comment les pirates de Vas vont m'accueillir avec mon uniforme de mercenaire. Peut-être que je suis safe partout, je sais pas, j'en ai pas la moindre idée. En tout cas, dans quelques instants, ici ce sera chez nous. Hop, il y a une voiture juste en bas. Fous la pression l'autre. Alors attendez, parce que c'est à dire que bon, alors c'est bien ce que je me disais. Punaise de jeu de... C'est une blague. Non, c'est une blague. En vrai, c'est une blague. Oh, quel enfer. Mais quel enfer. Là on passe là, toute évidence. Peut-être que là il faut aller là. Oh. Et par contre, je vous le dis, hein, je recommence pas ça 5 fois. Hein. Ça commence à bien faire. Hein. Ça commence à bien faire vos conneries. Ah. Non, faut pas que j'aille là. Il faut bel et bien que... C'est logique que j'aille là. Jusqu'ici, on est d'accord. Ensuite, je vais là. Et ensuite... Ah, voilà. Ah, voilà. Voilà. Mais qu'est-ce qui lui arrive là? Mon personnage, il bug complètement. Ils vont se détendre, eux. Yalla! Voilà. Ensuite, par ici. Et Mais qu'est-ce qui lui arrive là? Je vous jure, mon personnage, il a un problème. Hein. Grimper. Ah, j'avais pas vu. Ok. Et voilà. Incroyable. Oh, elle était pas facile celle-là. Hein. Elle était franchement pas facile. On l'a juste devant nous, c'est formidable. Bim, boum, tac, hop, crac, clic, top. Voilà. Bienvenue chez nous. Y'a pas grand chose. Oh, le temple, c'est là qu'on va, c'est ça? Je crois bien. Je crois bien que c'est là qu'on va. Pylône radio activé. On en a plus beaucoup. Hein. On en a plus beaucoup activé, ça c'est marrant. On va pouvoir descendre. La mission, elle est où là, hein, les gars? Non mais les gars. Ah, elle est là-bas la mission. Et j'ai un deltaplane juste là-bas. Attendez, laissez-moi regarder la carte. Ouh lolololo. Ah oui, non mais la mission elle est là-bas, elle est loin. Ok. En fait, le temps d'aller à la mission, j'aurais débloqué tous les pylônes radio quoi. Bah écoutez les amis, ce que je vous propose, c'est qu'on... En soi, j'ai envie de bien clôturer la première île. Parce que, voyons, en fait on est sur la deuxième île. Donc je me dis, ça peut être vraiment nice de faire tous les avant-postes qui restent. Bon, il y en a pas mal, mais ça va assez vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, il y en a beaucoup quand même. 8 avant-postes. Là, il y en a autant. Mais en soi, c'est rapide. Non, je sais pas. Mais ça peut être sympa. Donc, ce que je propose... Bon, là, on n'a pas de bateau. Ce que je propose, c'est qu'on se... C'est qu'on se téléporte ici et qu'on se fasse cet avant-poste-là. Et on va avancer jusqu'ici, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire? On va faire ça les amis, ça va me permettre d'avoir ma quatrième arme aussi. Et on va s'en arrêter là pour cet épisode. Voilà, on se fait cet avant-poste, on s'en arrête là pour cet épisode. Dans le prochain, on continuera la quête principale, si vous voulez. Enfin, on va voir, je vais pas parler trop vite. Ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va se prendre une arme secondaire, mais dont on s'en fout un peu parce qu'on peut la... On pourra l'échanger, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je vais reprendre... ma MP5 toute bien équipée.
MP5 et je vais l'équiper, je vais la mettre ici. Voilà, et en fait ce qui va se passer, c'est qu'on va considérer la BZ, la PP Bison comme arme principale. Et si jamais je suis dans la sauce, je pourrais utiliser la quatrième arme, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'est plutôt pas mal. Par contre, les munitions, voilà. On rigole, on voit pas le fond de la Nicole. Vente rapide, voilà. Et puis voilà, on est plutôt pas mal. La peau de requin, ça coûte combien à vendre d'ailleurs? Je sais pas où il est le requin. Bon allez, ça me saoule. Allons-y gaiement. Pourquoi il y a des ennemis qui passent encore? Ah non, c'est pas des ennemis. Parce que là, on est en zone safe. On va donc aller à cet avant-poste. On va y aller en voiture, on va pas se prendre la tête. Très belle voiture, hein, cela dit. Hein. Oh là là, la fenêtre ouverte et tout. Eh, on dirait ma 206. Non, je rigole. Eh oh, calmez-vous. Allez, c'est parti. Ouais, du coup, comment ils vont réagir là, les ennemis, en me voyant avec la tenue de mercenaire là? Vous pensez? Je sais pas comment ils vont. On va voir. Hop, très jolie hein, cette route. Raccourci. Voilà, je pense que je vais continuer à pied. Parce que on doit être arrivé. Ouais, on voit la fumée. Oh, j'aurais peut-être pu continuer encore un peu. Hein. Bon, c'est pas bien grave. Ça me permet d'avoir de la hauteur. Ouh, d'avoir une petite vue. On est là pour explorer après tout. Toutes ces zones qu'on n'a pas pu encore explorer. Le sanglier, j'aime pas. Voilà. Soyons honnêtes, les sangliers me font peur. Voilà. On est arrivé. Bon, je vais quand même les éliminer furtivement. Hein. Je vais pas tenter l'expérience de me pointer devant eux. Mais par la suite, quand on croisera des autres, faudra voir un peu comment ils réagissent. Alors. J'ai l'alarme en joue. Donc ce serait pas mal que je la désactive à la main. Pour être tranquille. Pas de mastodonte à première vue. Ah, ça c'est sympa. Ça c'est sympa. Ça va être assez complexe de désactiver à la main l'alarme. Je pense. Donc on va faire une petite diversion, messieurs dames. On va faire une petite diversion. Attendez. Eh oh. Bon déjà au moins voilà. Déjà même habillé en mercenaire, on le sait, les pirates de Vas, ils m'aiment pas. Voilà. Comme ça on le sait. Comment je vais faire pour libérer la bête? Oh la vache. Le jaguar, il est enragé hein. Putain, ça brûle quand je pisse. J'aurais dû mettre une capote. Bon. On va avoir un problème là, je sais pas comment libérer le jaguar. Parce que si je tire à côté... Bah arrête frère, calme-toi. Oh, mince. Attends, mais ça tombe trop bien ça. Ça tombe trop bien. Est-ce que je peux pas escalader genre? Ok. C'est bon. Bon. Ils l'ont eu. Maintenant, il faut que je désactive l'alarme. Maintenant, il faut que je désactive l'alarme. C'est bon. Je me suis sacrifié pour l'alarme. Oh, bien. On est là pour le spectacle, hein. Ne l'oublions pas. On est là pour le spectacle. Hop. Oh la vache. Ok. Viens voir frérot. Voilà. Bon. J'avoue, je voyais ça un peu différemment, mais bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on l'a fait, qu'on s'en est bien sorti. En tout cas, au mieux. Hein. Pas facile.
Allez, 13ème avant-poste défectué. Les petits soins. Eh. Carte mémoire. Ok, j'ai récupéré une carte mémoire, toujours sympa. C'est par ici. Oh, merci monsieur. Voilà, comme ça, on se remet bien. Les munitions, toujours important. Et l'argent, vente rapide. Comme ça, on est tranquille, on a de la place. Voilà. Bon, les amis. Non, punaise, je me suis... Oh. J'ai caché une seringue. Bon, les amis. On a l'avant-poste. Saleté de pirates du travail. Regarde le panneau d'affichage. Panneau d'affichage, oui, c'est ça. Ils disent tous la même chose, c'est formidable. Voilà, c'est quand même plus agréable. Donc là, ce qu'on va faire... en vrai, vous savez quoi? Prochain épisode, on est chill. Ok, ça vous va? Prochain épisode, on fait 7 avant-postes, 7 avant-postes, 7 avant-postes. Et si on a le temps, ce que je pense que c'est possible, eh bien, on ira se TP au camp Roméo pour continuer l'objectif. Ok? On fait ça comme ça? On fera même un TP ici pour avoir le pylône là et on se TP là-bas. Et enfin, voilà, on fera comme ça. Bref, donc prochain épisode, les 3 avant-postes ici. Histoire de bien boucler cette zone là. Après évidemment il y a encore des avant-postes à faire ici. Mais voilà, c'est tranquille, il n'y a pas de souci à ce niveau là. Allez, bon, j'espère que vous avez kiffé, j'espère que le programme vous plaît. Autant prendre du bon temps évidemment, parce que le jeu se termine relativement vite, je pense. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Et à demain pour la suite de l'aventure. Des bisous, ciao tout le monde.